more dying day. No more dying day. Donc il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas la lune. Mais il n'y a que la lumière de Jésus-Christ. Lui-même est la lumière du monde. Et il va vivre. Il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas la nuit là-bas. Il y a des sonneries. Je suis encore très heureux de vous voir. Je sais que vous ne m'avez pas honoré. I know you've not honored me. Mais vous avez plutôt honoré le Seigneur. Honor the Lord Jesus Christ. Parce que je sais que je n'ai rien. Because I have nothing. Je n'ai rien que je peux vous donner. To give. Rien absolu. Nothing absolute. Mais mon espoir, je l'ai mis entre vous. But I put my hope in the Lord Jesus. C'est lui qui connaît les besoins de chacun. He is the one that knows your needs. Et c'est celui qui est prêt à vous donner ce que vous avez besoin. C'est pourquoi je vous demanderai, mes chers frères, ne regardez pas la personne qui est devant vous. Ça peut être votre enfant. It could be your child. Ça peut être votre frère. It could be your brother. Ça peut être là. And you will see that it's good de l'avoir. To have it. Et qu'il est bon. And it's good d'être appelé enfant. To be called a child of God. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. And the Lord bless you. Je vous déclare, je vous dis, je vous aime. I tell you I love you. Et je demande à ce que mon Dieu puisse bénir chacun de vous. Ask my Lord to bless each one of you. Juste pour l'effort qu'il a fourni de ces personnes qui viennent. Just for the effort you've made to come here. Et que lui-même qui a vu votre effort. May he who saw your effort. Qui vous récompense. May he recompense you. Et aujourd'hui c'est le jour. And today is the day. C'est l'heure. It's the hour. C'est la minute. It's the minute. Et c'est la seconde. And it's the second. Que Dieu doit toucher. That God will touch your life. Amen. Amen. Mes yeux sont en train de chercher quelqu'un. My eyes are looking for somebody. Juste pour me chanter un cantique avant que je commence. To sing a song for me before I begin. Bon. Pasteur capitaine. Pasteur capitaine. Tu peux nous chanter un cantique là. Le cantique là. That song. Prends seulement la guitare, et si un autre est où, tu vas l'aider, c'est très you're facile. Help him. It's very easy. C'est très facile, il va chanter. Easy one. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir?
Vous pouvez vous lever, je t'aime.
Luc chapitre 17.
Luke chapter 17, I'm sorry. Je vais lire un verset. I'll read one verse only. Je lis le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Bon, maintenant, commençons au verset. Satan ne mourra pas. The devil will not get me. Je dis que tu ne mourras pas. The devil will not get me. Souvenez-vous que peu importe la parole que nous lisons, it doesn't matter what word il a toujours les effets. It always has an effect. Donc Dieu connaît pourquoi il a permis que nous lisions ça. God knows why he allowed to read that scripture as well. Il n'y a pas de hasard. There is no error with God. Alors, j'ai lu dans Luc, Jean chapitre 12. John chapter 12. Je suis là à partir du verset and I begin with verse 23. 23. Jésus leur répondit. And Jesus answered. L'heure est venue. Saying, the hour is come. Où le Fils de l'homme doit that the Son of Man should be glorified. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste. Our beloved Heavenly Father. Nous venons de lire ta propre parole. I have just read your own word. La parole de ton Fils. Jésus the Son of Lord Jesus Christ. Quand il marchait vivant sur cette terre, he was walking upon the earth. Il a dit l'heure est venue. He said the hour is come. Aujourd'hui, Seigneur, and today, Lord, nous savons que cette parole a la puissance de la transformation. Of transformation. Et cette parole a la même valeur. And que this word has the same value. Quand il a été prononcé, when it was spoken. Ainsi, laisse que l'auteur de cette parole, so let the author of the word, soit ici maintenant, here right now. Et nous décortiquons que c'est que c'est la parole. He opened the word. Il nous donne. He gives us l'interprétation de cette parole. The interpretation of the word. Parce que tu es ton propre interprète. Because you are your own interpreter. Nous avons lu. We have read. Maintenant nous avons besoin du contexte. Now we need the context. Nous mettons à l'échec tous les plans de l'ennemi. Put to failure every plan of the enemy. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Que ton esprit puisse se mouvoir. May your spirit move. Et que tout le monde voit ta gloire. May everyone see your glory. Glorieux nom de Jésus. The glorious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Je salue les bien-aimés Ezekiel. Good night, beloved brother. Ça fait très longtemps que je t'ai vu. I haven't seen him in a long time. Est-ce que tu as amené les seuls? You don't know why. Prochainement, il faut l'amener. Next time, bring her. Même si tu viens nous visiter là-bas. Even if you come to visit over there, bring her. Ok, maintenant nous parlons de la parole de Dieu. Let's speak about the word of God. Ici nous avons lu we have just read que l'heure est venue. That the hour is come. C'est le Seigneur Jésus qui parle. It's Lord Jesus speaking. Il dit l'heure est venue he said, the hour is come où le Fils de l'homme doit être glorifié. That the Son of Man should be glorified. Il y a un peu de mystère là-dedans. There's a mystery there. L'heure est venue the hour où is le Fils come. De l'homme. Mais qui est le Fils de l'homme? Nous avons dit que c'est les prophètes. We said it's a prophet. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. It's a prophet. Et lui-même, le Seigneur Jésus, he, the Lord Jesus, il s'appelle he's called Fils de l'homme. Son of man. Ce qui veut dire qu'il est le prophète. Which means he's the prophet. Donc Jésus-Christ, so Jesus Christ, c'est Dieu prophète. He's called prophet. Et ici, il nous dit and here he's saying, que l'heure est venue that the hour is come, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Nous avons parlé hier. We spoke yesterday. Il y a un temps pour toutes les choses. There is a time for everything. Il y a un temps pour planter. A time to plant. Il y a un temps pour récolter. A time to harvest. Il y a un temps pour pleurer. A time to cry. Il y a aussi un temps pour rire. And a time to laugh. C'est des choses. To rejoice. Il y a un temps. There's a time to perdre. To lose. Il y a aussi un temps pour gagner. A time to win. Et nous avons aussi. And we also said. Il y a un temps. There's a time où Dieu donne la promesse. When God gives the et aussi un temps. And a time pour que la promesse s'accomplisse. For the promise to be fulfilled. C'est ça que nous avons parlé, n'est-ce pas? You said yesterday. Il y a un temps.
tâches, où les choses doivent marcher ensemble, have to work together, afin que les bonnes choses arrivent, for the good things to happen, parce que les mauvaises choses ne doivent pas perdurer, because evil things don't always last. Amen. Amen. Et que maintenant, and now, c'est the hour, c'est le moment, is the moment. Que les promesses doivent s'accomplir. That the promises have to come to pass. Ce n'est plus le moment. It's no longer the time. De donner des promesses. To give promises. De créer des promesses. To create promises. Les promesses ont été déjà données depuis avant. They have been given in the past. Que vous serez la tête de nos nations. You'll be the head of the tail. Ils vous combattront. They'll fight. Mais ils ne vous gagneront. They will not overcome you. Nous avons les promesses. We have the promises. Que tout ce que vous demanderez à mon nom. Whatever you ask in my name. Il vous sera accordé. He will give it to you. You will be the head, jamais la tête, and not the tail. Partout où vous les allez, where the soil of which I spread, je te les donne. I'll give it to you. Ce sont des promesses. The promise. Celui qui est en vous, the one who is in you, plus grand, is greater. Ne craignez pas le monde. Fear not the world. Ni les choses qui sont, or the things of the world. Ne craignez même pas celui qui peut tuer ce corps. Don't fear. Ne craignez pas the flesh. The one that can heal the body, et la, and the soul. Ce sont des promesses. Those are promises. Et parmi les promesses, and in the promises, nous avons aussi les promesses de la mort. The promise of the rapture too. Amen. Amen. Que l'église doit être enlevée. That the church will be raptured. Mais nous devons avancer. But we have to chaque fois que les promesses every sont time a promise is given, il commence à marcher, à voyager. They begin to travel. Il commence à voyager. They begin to travel. Faire l'accomplissement. To work the fulfillment. Mais qu'est-ce qui nous arrive? But what happens? Nous ne sommes pas patients. We are not. On n'attend pas l'aboutissement. We don't wait for the fulfillment. Alors que les promesses voyagent encore. When the promise is nous devons arrêter ces promesses. Stop. Non. No. Laissez le partir. Let the promise parce que même si tard, because even if it's tarries, it will come to pass. Amen. Amen. Voilà parce que nous avions parlé. We spoke about et that. Nous avions aussi dit. We also said que chaque fois que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir. Every time God's promise is being fulfilled. Il y a toujours une difficulté. There is always a difficulty. La difficulté est que the difficulty is, les hommes n'arrivent pas à voir cela. Men cannot see. C'est ça ce qui se passe. That's what happens. Mais pourquoi est-ce que les gens ne voient pas la people not see the fulfillment of the promise? Pourquoi est-ce que nous voyons les promesses qui sont données? Why do you see the promise to you? Mais quand coming? C'est le moment de l'accomplissement. When it's time of fulfillment, les gens ne voient pas ça. People don't see it. Pourquoi? Why? Il doit y avoir la réponse. They have to get an answer. À chaque question biblique, to every Bible question, à chaque question de médecin, il y a une question de réponse de santé. Yes, chaque question politique, every political question, il y a une réponse politique. A political answer. Mais ici, il y a une question religieuse. Here is a religious question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à connaître quand le mystère, quand les réponses sont données? Why can't we see when the answer has been given? Pourquoi on ne se rend pas compte quand les promesses? On ne tient pas compte des détails. We don't look in the details of the vision. C'est parce que it's because nous avons dans la tête, in our mind, une façon quelconque, we have a way de voir Dieu accomplir ses promesses. Voilà ce qui nous bloque. That's what stops us. Nous sommes en train de limiter Dieu dans ce cadre bien donné. We are limiting God in a way that we give him. Voilà le mal que nous avons. That's the evil we have. Est-ce que vous êtes là? Are you with me? We are limiting God. Nous la limitons. We limit him. Que lui n'est pas limité. When he is not limited. Alors, comme lui est Dieu, because he is God, il fait semblant, il ne fait pas croire ça. He pretends like et sa parole continue. And the word keeps going. Mais nous, but we, nous devenons faibles. We become weak. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'accomplissement. Because we don't see the fulfillment. Je vous dis que parmi les promesses, I tell you among the promises, de l'enlèvement. There's a promise of the rapture. Mais écoutez, but listen, si vous regardez bien, if you look very well, il y a quelque chose qui doit provoquer l'enlèvement. There is something that has to provoke. Il y a une force qui doit provoquer l'enlèvement. There is a power to provoke the rapture. Il y a une force qui va t'enlever. There is a power that will rapture you. Cette force-là, and that power, c'est toi, is you, qui doit actionner ce who has to activate that power. Si tu n'as pas cette force-là, if you don't have it, tu n'iras pas. You will not go. Or, la promesse est que, but the promise is, au dernier temps, and in the end, le Fils de l'homme sera manifesté. Le Fils de l'homme paraîtra. He will be revealed. Et à ce temps-là, and at that time, le Fils de l'homme aura le ministère.
Amen. Amen. Donc, so, on cherche Jésus. We are looking for Jesus. On te regarde. They look at you. On cherche Jésus. They look for Jesus. Tu dis, mais voici. You say, here we are. Alors, quand on te donne une requête, when they give you a request, puisque c'est toi Jésus, because you are Jesus, tu dois être capable de répondre. You must be able to answer. Mais, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça? But why can't we? Parce que nous avons peur. Because we are scared. Mais le moment est venu. But the time has come. Le temps est venu. The time has come. Où le Fils de Dieu where the Son doit être manifesté. Has to be manifested. Amen. Amen. Le temps est venu. The time has come. Où le Fils de Dieu, the sons of God, doit être manifesté. Has to be manifested. Et si tu ne manifestes pas Dieu, and if you don't manifest God, alors qu'est-ce qui va t'enlever? What will rapture you? Qu'est-ce qui va t'enlever? What will rapture you? Qu'est-ce qui se passe avec nous? What happens with us? Nous voyons beaucoup plus. We see les grandes choses que Dieu a fait. The great thing God has done. De très grandes choses qu'il a fait. Great things he has done. Mais nous ne voyons pas les moyens, les simples moyens qu'il a. We don't see the simple means we use to fulfill those things. Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Open your eyes, people. Je suis en train de vous décortiquer pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir l'accomplissement de la parole. We can't see the fulfillment of the word. Parce que nous ne voyons pas les détails. Because we don't see the details. Nous voyons le gros plan. We see the big plan. Le détail nous échappe. The detail we miss. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir l'accomplissement de la parole? We watch the great toujours les bonnes choses, les grandes choses. Man sees the big things God has done. Mais maintenant, but now, pensez aux moyens simples qu'il a utilisé pour accomplir ces choses. That God used to fulfill those big things. Et quand vous allez voir cela, and when you can see that, vous saurez ce que Dieu va faire avec you. You know what God will do with you. Parce que sa manière de faire, because his way of working, facilement vous échapper. Can you can miss it? Facilement vous échapper. You can easily miss it. Si vous n'êtes pas vigilant, if you are not vigilant. Si votre cœur n'est pas ouvert, if your heart is not open, s'échapper, you can miss it. Alors je ne voudrais pas que ça échappe à chaque jour. I don't want you to miss it. C'est pourquoi je voudrais que vous soyez préparés. So be prepared. Pour que, soit la semence tombe, when the seed falls, que vous puissiez tomber dans la bonne terre. It fall on the good ground. Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs. We have engineers today. Juste pour bâtir une maison. Just to build a house. Il doit aller à l'école. He has to go to school. Faire l'école primaire. 12 school, 12 years, 12 ans, et puis après l'université, go to college, et faire ceci, juste pour faire, just to be able une maison, to build a house. Et avant même de faire cette maison, and before he builds the house, il doit appeler les maçons, he has to call, utiliser, they have to use and use and use, il utilise les maçons, il masons, souffre, et commence à les payer, il souffre, and they begin to suffer, pour construire une maison, to build one house. Et cette maison est construite où? In this house, where is it built? On the earth, on the ground. Mais on oublie que cette a été aussi fabriqué par quelqu'un. The ground was made by somebody else. C'est une grande chose, n'est-ce pas? It's a great thing. La terre a été fabriquée par quelqu'un. That earth was made by somebody else. Pendant que tu es en train de faire des mouvements là, when you are making your movements, il y a un soleil qui est en train de te dire. There is a sun helping you. Quand le soleil part, when the sun goes away, tu vas dormir. You go to sleep. Mais le soleil est là. But the sun is there. La nuit devient. The moon comes. Pour t'aider un peu à libérer les choses. Et quand c'est le lendemain, admiring things made by
the world. Et aujourd'hui, je vous dis, and today I tell you, la parole a un pouvoir. The word has power. Tout ce que Dieu nous a donné, what God gave us, c'est la parole. Is the word. Si tu as la parole, if you have the word, tu as tout. You have everything. Si tu as la parole, with the word, tu es plus puissant. You are more powerful. Si tu as la parole, you have the word, tu es plus que 10 000 mots. You are mightier than 10 words. Je vous dis, and I tell you, le monde de l'enfer, the hell, ne peut pas prévaloir, cannot overcome you. Pourquoi? Parce que tu as la parole. Because you have the word. Je vous ai donné l'exemple de la parole. I give an example. La parole a créé le monde. The word created the world. See what power you have to create the world, create the world. Why are you shaking? Why are you scared for sin? Why are you scared for sin? Why are you scared for anything? It's just little things. 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 It's greater. Mais frère, brother, il y a une chose. There's something. Vous devez vous réveiller. You have to wake up. Vous devez vous réveiller. You have to wake up. Parce que vous devez vous reconnaître. You have to recognize et yourself. Savoir aussi où est-ce que vous êtes. And to see where you are. Si vous ne vous reconnaissez pas, if you know yourself, Satan va s'échouer. The devil will play on you. Et il va vous suivre comme un petit enfant. And he'll fool you like a child. Je vous dis franchement, I tell you truly, c'est comme un enfant. It's like a child. Cet exemple. I'll take an example. Un petit enfant, a little child, qui était chez son papa. In his dad's house. Et son papa avait beaucoup de biens. With many things. Beaucoup d'argent. Much money. Et un jour, one day, l'enfant a joué. Avec je ne sais pas moi quoi les canards ou quoi qu'il avait qui était dans la maison. With maybe the duck in the house. Je parle de je crois qu'il avait brisé la coupe. I think he broke a cup. Comprenez, je continue l'exemple que je donne. L'enfant a brisé la coupe. He broke a cup. Et puis le monsieur qui travaille à la maison là-bas. The man that worked in the house. Les domestiques, merci bien. Les domestiques s'est approché. He came to him. Pour dire à l'enfant, tell the child, tu as brisé la coupe. You have broken the cup. Je vais t'accuser chez toi. I will tell your dad, ton père. I'll tell your father. Il va te taper sur les genoux. L'enfant commence à dire. He begins to shake. L'enfant begins to shake. Il dit, mais don't tell my dad. Don't tell my dad. Alors l'enfant qui dit, the child said, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? What can I do for you? Alors les domestiques lui dit, the house help said, si tu fais ce que je te dis, ta question. If you do what I say, I will tell you that. Yes, tell me. Chaque fois qu'on va te donner à manger, c'est every time you get your food, je mange d'abord une petite de folie. Et puis, quand mon papa va au travail, when your dad goes to work, tout le travail qu'il va me donner, all the job he gives me, toi tu dois travailler. You do it. L'enfant a sa peur. The child is fear. Je vous montre les conséquences de la peur. I'm showing you the consequence of fear. Je vous montre la conséquence de la peur. The consequence of fear. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. I'm talking to somebody. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Holy Ghost speaking to you. L'enfant a eu peur. The child got et scared. Il a oublié ce qu'il est. And he forgot who he was. Papa laisse le travail au cuisinier. His dad gives work to the cook. Pendant qu'il sort, when he goes out, il laisse tout. He leaves everything. Nous étions entendus, non? L'enfant dit, ok. You agree with me? Yes. Il commence à faire la vaisselle. He has to clean up. Il touche la maison. Clean the house. Et là où il n'a pas bien fait, and when well clean, c'est le domestique qui lui dit, hey, ici tu n'as pas bien fait. Hey, clean it. Donc, alors qu'il travaille. Clean again, clean again. Et là-bas aussi. Awesome. Donc l'enfant est devenu domestique chez son child père. Became a worker in his house. Domestique chez son papa. A cleaner. Ça étonne. It's so bad. Parce que c'est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. The case in which you are. Mais. Think twice. Pensez encore. Peut-être cet enfant-là c'est toi. Maybe that child is you. L'enfant a commencé à travailler. Your child began to work. Et quand le manger vient. And when the time to eat came. Il donne d'abord au domestique. He gives his food to the house. Et le domestique prend le gros morceau. He takes the big meat. L'enfant commence à vivre. And the child began to get paid. He made and then, et papa ne peut pas comprendre. His dad didn't understand. Un jour, one day, c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Un jour, one day, et c'est aujourd'hui. And it's today. C'est l'heure. It's the hour. Un jour, one day, l'enfant s'est réveillé. The child got up. Il a dit, wait a minute. He said, attends un peu. Bon. Je suis domestique. I am a worker. Qui est domestique? Who is après tout, ça c'est la maison de mon père. My father's house. Après tout, je suis l'enfant de cet homme qui a construit tout ça. My father owns all this stuff. Qui est ce monsieur? Who is this man? C'est un domestique. He's a house worker. Oh. Really? Really, papa? En tout cas, voit même que je demande à mon père. I have to ask my daddy. Même s'il veut me tuer. Even if he kills même me. S'il me dira de continuer. He tells me to continue. I will ask him to tell me. Alléluia.
papa se réveille et d'arrêter l'enfant qui dit non, je ne vois pas ce que c'est. Même si vous avez vous fait. Le papa sort, il dit que là, et le domestique qui vient, comme là, tu sais qu'on s'est entendu. Tu peux prendre déjà la vestelle pour voir. Il dit non. Il dit non. Je ne vais pas aujourd'hui. Je vais t'accuser. D'ailleurs, moi-même, je vais aller lui dire. Alléluia. Moi-même, j'ai l'accès. Moi, j'ai l'accès. J'ai l'accès. I have access. Donc, je peux aller voir mon père. I can go to my daddy. Alléluia. Myself. Donc, ça ne demande pas que toi, tu y ailles. You don't have to go for me. D'ailleurs, l'enfant a reconnu. The child recognized. Cet homme-là. This man. N'avait même pas le pouvoir de voir sa paix. Have power. Qu'elle lui n'en avait. He had. Je ne veux plus te voir ici. I want to see you again tomorrow.
voulais pas que tu vois ton père. Vois cela. Et prends la décision. Parle à ton papa. C'est aujourd'hui où je connais pas. Et tu me l'as montré. Merci de mon corps. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est votre père. Et il va vous entendre. Et il vous donnera. Et il vous dit. Il est plus que disposé. Il est more than willing à te donner. Ce que tu as perdu, give you what you need. Ce que tu as cassé. What you broke, ajoutez encore. And if you add some more. Si seulement vous reconnaissez ça, you can recognize cette parole, c'est bien la chair. Aujourd'hui, c'est question de reconnaître cela. Just recognize this. Reconnaissez les jours. Recognize the day. Reconnaissez l'heure. And the hour. Reconnaissez la minute. The minute. Parce que l'heure est venue. Because the hour has come. Chaque chose a son temps. Everything has a time. C'est le temps aujourd'hui. It's time today. Tu as beaucoup craint. You feel a lot. Oui, quand même. Ah non, je te dis. Oh, I can manger. Oh, I can. Le temps est là. The time has come. Alléluia. You must free yourself. Tu dois délivrer. You must free yourself. Alléluia. C'est le moment de se libérer. It's the time to free yourself. Et de foncer. And to go ahead. Parle à ton père. C'est ton papa. Speak to your father. Il ne va pas te tuer. He will kill you. Voilà ce qu'il faut retenir. Just pretend that ton père ne te tuera jamais. Your father will not kill you. Ceci c'est pour vous dire que. Is to tell you. Dès que vous avez un message. When you have a message. Ça ne vient pas de votre père. It's not from your father. That is negative. Non, vous n'avez pas ceci. No. Si il y a une idée négative, you have a negative idea, un message qui te dit, a message telling you, avec tous ces péchés que tu as commis là, all your sins, tu penses que tu es un enfant de Dieu, challenge God. Non, détrompe-toi. Ah, dites-lui, tell him, ça c'est le diable, you are the devil, arrière de moi, c'est comme lui, parce que Dieu, because God, Dieu ne pourra jamais te décourager. God cannot discourage you. God will never discourage you. Not any storm. Even one moment. Maintenant vous savez. Now you know. Okay. Two messages of discouragement. Not every message of discouragement. Hey, the Lord will be in the devil. Okay. Okay. Parce que Dieu ne vous le donnera jamais. God will never give you discouragement. Peu importe le mal que tu as commis. Even what evil you do. Dès que tu rentres. When you come back. Il ne va pas te dire bon parce que tu as fait ça. Alors si God is. Je ne peux plus te recevoir. I will listen to you. Tu n'es plus mon fils. No more child. Jamais tu n'attendras. Never. Never. Si tu attends comme ça. If he does that. Tu dis que moi je me suis trompé, c'est tu n'es pas mon père. No, you know, you're my daddy. Tu n'es pas mon père. Même si tu es mon père. Even if it's just one. Même si tu te nommes Jésus. Even if your name is Jesus. Tu n'es pas mon père. You're not my father. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Because there are many Jesus. Je vais chercher mon père. I'm going to je vais l'attendre là où I'll wait for you where I left. Jusqu'à ce qu'il revienne du temps. Until he comes back. Et quand je le verrai. And when I see him. Je lui dirai. Papa. 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 Maintenant, dis-moi quelque chose. Tell me something, daddy. J'avais brisé le verre. I broke the cup. Oh, mais ça c'est pour toi. Oh, mais c'est j'aimerais même t'ajouter. I can buy some more. Alors, si tu vois comme ça. If you see that. Là, c'est Dieu. That's God. Alléluia. Alléluia. Ouvrez les yeux. Open your eyes. Parce que le temps est arrivé. The hour has come. Chacun de nous doit expérimenter. When each one must experiment. Chacun de nous doit expérimenter le réveil. Each one must experiment revival. Je vous dis, mes frères et sœurs. I tell you, brothers and sisters. Le réveil. Revival. Ce n'est pas pour un tel. It's not for somebody else. That person, that person. Non, ça, c'est pour toi. It's for you. C'est quoi le réveil? What's revival? C'est l'occasion de recevoir. It's the chance to receive the word. C'est quoi le réveil? What's revival? C'est la force de la parole agissante. It's the acting force. La puissance de Dieu agissant. Power of God in action. C'est ça le réveil. That's revival. Et avant l'enlèvement, and before the rapture, cette puissance doit se manifester. This power must manifest. Alors, tu l'attends où? What are you waiting for? Et ça se manifeste. That she manifest in who? Will you God? Will you? No. She won't. In me. Il faut dire ça. Yes. Il faut dire que c'est chez moi que cette puissance has to manifest in you. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Et ne demande pas comment. Don't ask me how. Où? Where? Dieu connaît. God. C'est lui-même qui a promis. He's the one that promised. Tant que tu ne vois pas ça. As long as you don't see it. There's no rapture for you. Ah, c'est très fort. Oh, that's hard. Tant qu'il n'y a pas de réveil dans toi. If there's no revival in you. Tu attends en vain l'enlèvement. You're waiting for the rapture in vain. Je vous dis. I tell you. Tu parleras bien. Tu parleras bien. You will speak very well about God. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Tout le monde en parle. Everybody speaks about it. Allez-y, ailleurs, tu verras. Tout le monde en parle. Everyone is going to go for the rapture. Mais il y a un détail. But there's a detail. Qui te manque. That's lacking. Voilà là où il y a le problème. The il y a un détail qui m'a lacking. C'est ce détail-là. C'est le détail de la vision. Le détail de la vision. C'est le détail de la vision.
not finished. Hallelujah. 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 Regardez la vision du début à la fin. Look at the vision from beginning to end. Regardez les détails. And see the details. La parole. The word had been created. Et vous avez vu combien simple cela est. And you saw how simple it was. Et aujourd'hui, and today, il vous dit, he's telling you, par la parole. By the word, you can do everything. Et qu'est-ce que la parole te dit? What does the word tell you? Croyez tout simple. Just believe. Croyez tout simple. Only believe. La petite phrase là. That little phrase. Le ciel et la terre passent. Heaven and earth shall pass away. Mais cette phrase là. But that phrase. Demeurera éternel. Will last forever. Si tu crois. If you believe. Tu verras la gloire de Dieu. Tu ne croyais pas. Mais pourquoi est-ce que nous ne croyons pas? But why don't we believe? Si c'est le détail. That's the detail. Regardez le détail de la vision. Look at the detail of vision. Nous avons parlé de Moïse. We spoke about Moses yesterday. C'était une promesse de Dieu à Abraham. It was a promise that God fulfilled. Vous savez que la promesse à Abraham, c'était une promesse du plan de la rédemption. It was a promise of the plan of redemption. Parce que Israël, because Israel, c'est l'épouse, c'est la représentation de l'épouse. Donc la marche d'Israël, the walk of Israel, c'est la marche de l'épouse. It's a type of the bride's walk. Alors, Dieu a donné la promesse. So God gave the promise. Qu'il devait marcher avec, qu'il devait sortir d'Israël. To c'est un grand événement. Alors, pour écrire ce plan de la rédemption, regardez ce qu'il a fait. Look what he did. Il a pris le corps. He took a body. Il a quitté le ciel. He left heaven. Il est descendu. He came down. Pour faire face à Abraham. To meet Abraham face to face. Juste pour commencer son plan de la rédemption. Just to begin the work of redemption. Vous pouvez vous imaginer ça? Imagine that. Et Dieu du ciel, God of heaven, descend, coming down, et dit à Abraham, and telling Abraham, que voilà, je vais faire ça, ça, ça. Avec. This. Les gens ne comprendront pas ça. Ils n'accepteront pas ça. Et ils vous diront, they'll tell you, non, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu ne peut jamais mettre un homme. Donc ces voix ne sont pas nos voix. Celui que tu envoies, tu as vu là, ce n'est pas Dieu. Mais voilà, n'arrête pas Dieu. C'est sa façon de faire. Il a une façon inhabituelle. Il a accompli ses promesses d'une manière inhabituelle. Alors, si tu manques à voir cela, don't see that, tu as manqué un détail très important. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est en détail. Parce qu'il ne voit pas les détails. Amen. 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 Il a écrit. Il a dit. Et il sait que je viendrai et je vais vous les sortir. Moi-même. Myself. Moi-même. Myself. C'est trop grave. That is very hard. Alors quand le moment est arrivé, when the time came, on a vu un bébé naître. The son is being born. Voilà la simplicité. That's the simplicity. Je vais vous amener quelque part. We're going somewhere. Parce que dans cet âge, because in this age, il n'a pas changé. He did not change. Dans cette période nous sommes. Now, il n'a pas changé. He has not changed. Il est le même Dieu. The same God. Ce qu'il a fait, what he did, c'est ce qu'il fait. He's doing, et c'est ce qu'il fait. He will do. Mais nous voyons le passé, les grandes choses. Past, the great things. Ce sont des grandes choses. Great things. Est-ce qu'il a fini de faire des grandes choses? Has he stopped with great things? Non. No. Il continue à faire des grandes choses. He still does great things. Et même aujourd'hui, il fait des grandes choses. C'est pourquoi nous avons cet événement. Pour que vous puissiez voir les grandes choses. Écoutez, les grandes choses, ce n'est pas seulement ce que vos yeux peuvent voir. Voilà, j'attire votre attention. Ce n'est pas seulement ce que vos yeux peuvent voir. C'est les grandes choses. Dis-moi, qui a regardé le soleil? Tell me, who saw the sun today? Tu as regardé le soleil? Did you look at the sun today? Vous voyez que vous ne regardez même plus le soleil. You don't even look at the sun. Mais il est là, n'est-ce pas? But he's there. Vous reconnaissez qu'il est là. You know he's there. Est-ce que vous êtes ici? Are you catching? Vous êtes là. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Are you here? Amen. Suivez attentivement. Follow attentively. Il y a un soleil. There is a sun. Mais tu dois reconnaître qu'il y a un soleil. But you have to recognize the sun. Ça suffit. That's all. Ça suffit. That's all. Et le jour que le soleil n'apparaîtra pas, when the sun does not come out, il ne suffit pas de le regarder, non. You don't have to look to know. Qui saura que le soleil se lève? You will know the sun is not there. Ça ne demande même pas de le regarder. You don't have to look, non. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Amen. Ça commence à être un peu comme des paraboles. It's beginning to be like a parable. Mais c'est vrai. But it's true. C'est vrai. It's true. Les promesses de Dieu, the promises of God, s'accomplissent, fulfilled, aujourd'hui, themselves, des grandes choses. Great things. Mais on ne le reconnaît pas. But we don't recognize it. Non, parce qu'on ne reconnaît pas leur existence. Because we don't recognize their existence. Celui qui s'avance devant Dieu, and the one that goes to God, reconnaît d'abord qu'il existe. Has to know he exists. Rémunérateur. He's a rewarder. Si tu pries, if you pray, sans
connaître qui, à qui tu parles. You are going to whom you are speaking. Tu fais un travail vain. You are doing your work in vain. Tu dois reconnaître cette présence. How do you know the sun is there? Amen. Amen. Tu dois reconnaître cette présence. No, his presence. Je vais y arriver. I'm going somewhere. Je vais y arriver. I'll get there. Pour le moment, for now, il est descendu. He came down pour accomplir la grande promesse. To fulfill the great promise. Il était sorti de l'Israël. To call Israel out. Amen. He himself, il avait dit, je. He said, je viendrai. I will come. C'était lui. It was him. Je viendrai. I will come. Mais qu'est-ce que nous avons vu? But what did we see? Dans l'heure était venue. When the hour came. Dans l'heure était venue. Qu'est-ce que nous avons vu? Time came, what happened? Quand l'heure était venue, when the hour came, nous avons vu un bébé. We saw a baby. Et ce bébé là, that baby, amen. Dieu l'avait dans sa main. God had it in his hands. Mais Pharaon l'a pris. But Pharaoh took it. Il a commencé à l'instruire. And began to instruct him. Non. Dieu n'avait pas besoin de tout ça. God didn't need all that. Il a instruit. He taught him and taught him and taught him. Donc il a fait exactement ce que nos écoles ici font. He did what the school does today. Donc si tu veux être un ingénieur, tu es à l'école, tu étudies, tu school. Pour faire une seule maison, tu construis une seule maison. Et aujourd'hui, le monde veut que the world, pour que tu puisses servir Dieu, for you to serve qui God, va entrer dans les écoles, put you in school, où ils vont te former, and train. Et après, ils te donnent du travail. After they give you a job, ça ne vient pas de Dieu. It's not from God. Dieu, God, lui-même, himself, il a choisi un bébé. Si tu es son serviteur, il te choisira. He will choose you. Peu importe ton niveau. Même si tu n'as même pas été à l'école primaire. You have been to primary school. Jean-Baptiste n'était pas à l'école. Alors d'où vient qu'aujourd'hui nous allons à l'école? Donc vous voudrez, nous sommes en dehors. La Bible nous dit the Bible says, Dieu lui-même viendra. Et quand Dieu est venu, when God came, il n'est pas entré dans la maison des parents. Il n'a pas cherché la personne qui a beaucoup étudié. Il a cherché le bébé. Voilà ce qui nous échappe. Les détails. Le détail, l'accomplissement vient avec un mystère. L'accomplissement des promesses de Dieu vient avec un mystère. Et il n'y a que l'épouse qui peut voir. C'est un point très capital. It's an important point. Beaucoup dorment aujourd'hui. Many sleep today. Beaucoup se laissent guider par les vents. Many are led by the winds. Mais c'est là où il y a le problème. But that's the trouble today. C'est un point. Is to go. Prosper. Take it. C'est là où il y a le problème. There's a trouble. Quand on dit réveillez-vous, vous savez, yeah, c'est comme ça qu'on se réveille. Wake up, how do you wake up? Quel est mon pas? What's my path? Qu'est-ce que je dois faire? What can I do? Quel est ma pas? What is my role? Oh, dans les mains, il y en a. There mais quel est mon pas? What's my role? C'est ce que j'ai dit à Dieu. I ask God. J'ai fait ma part. C'est quoi la part de ma part? Ma part c'était quoi? My part. J'ai dit allez partout le monde. Said go in the world. Prêchez la bonne nouvelle. Preach the good news. La paix. The gospel to all creations. Tu m'as pas demandé d'aller faire des écoles. He asked me to go to church. Tu m'as pas demandé d'aller séduire les gens. Tu n'as pas demandé de faire les gens. He asked me to go to church. And follow people. Tu m'as dit passez ma prêcher la parole. Go and preach the word. C'est lui qui croit. He who believes. Et qui sera? And is baptized. Moi Dieu je le sais. I God I will show. Est-ce que c'est mon problème? Is it my job? No. J'ai dit à Dieu. I told God. J'ai fait mon problème. Not my trouble. Mon problème c'est quoi? My trouble is. D'aller en Amérique. To go to America. Louer une salle. To rent the hall. Appeler les gens. Call the people. Pour que toi tu viennes les sauver. And you come and say, Alléluia. J'ai fait ma part. I've done my part. Le reste. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui va te toucher aujourd'hui. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te luminer aujourd'hui. C'est lui qui va te délivrer. Tu as une vie compliquée. Depuis qu'on avait maudit ta grand-mère, c'est toute la famille qui a le sort. Et toi aussi, tu es né dans cette malédiction. Et il n'y a pas moyen de t'en délivrer. Ton père est là aujourd'hui. Sa parole est mise en pratique. His word is going to be used. Puisque sa parole est mise en pratique, God's word will be used. Ma part est terminée. Now my own soul. C'est sa part. His own soul. Toi, now you, ta part, your role. C'est de tenir debout cannot, et récupérer la chose. C'est aujourd'hui. It's today. Tu n'as même pas connu cette occasion. You have the chance. Peut-être que tu n'avais jamais eu. You have the chance. J'ai donné l'occasion. Now take a chance. Si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, the word of God will come to pass. C'est que ce que je vous ai dit, c'est un mensonge. Because then I lied to you. Ou bien ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Or, mais si c'est lui qui l'a dit, aujourd'hui il va te sauver. Say, aujourd'hui il va te guérir. You. Aujourd'hui il va te délivrer. Deliver you. Aujourd'hui il va te.
C'est pourquoi j'ai dit, même si tu as un homme à la maison, un enfant à la maison, maman ou papa, malade ou quoi, ou tu veux qu'il soit sauvé, c'est maintenant. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ce que tu vas prendre comme décision. Si tu veux faire fi, tu veux rester indifférent, tant pis pour toi. Mais je vais vous montrer tout simplement que Jésus est là. Maintenant c'est ton temps. Et lui parler en tant que ton père. Alléluia. Comment il accomplit le programme? Dans la simplicité. Peut-être vous attendez voir des choses derrière lui. Vous attendez voir le muscle bouger. The wall shake. Oui, ça peut bouger si le veut. Get shake if you want. Mais attention. Attention que cela ne soit pas votre idée. That shouldn't be your idea. Parce que lui, sa façon d'agir. Because his way of working, toi qui lui dit. You don't tell him how. Il le fait selon lui-même. He does it how he wants. Mais quand tu as un devoir, you have a duty. C'est de t'approcher de lui. Come to him. Seigneur, je suis là. Lord, I'm here. Ta parole vient d'être dit. Your word has been spoken. Je veux aussi faire ma part. And you know, do your part. Le prédicateur a fait sa part. Mais push it in his part. Mais voici. Here I am. Maintenant, je fais ma part. I want my own part. Toi aussi fais ta part. Now you do your part. Tu ne sortiras pas d'ici de la manière que tu fais. You will leave here the same you came. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus. Name of Lord Jesus. Parce que sa présence est ici. Because he's here. Comment tu l'as su? How do you know? Parce qu'il a dit. Because he said. Je ne demande pas une vision. I don't want a vision. Je ne demande pas un toucher. Touching. Mais je sais qu'il est là. I know he's here. Ah, believe it or not, il est là. He's here. Il est là. He's here. Et si tu crois, and if you believe, tu vas l'avoir. Parce qu'il est là, il va te toucher. Touch. Si tu crois, you believe, tu verras que ta maladie est déjà partie. Your sickness. Même pendant que je suis en train de parler. While I'm speaking, tu verras que toutes les chaînes sont tombées. All the chains will fall. Ça ne demande même rien. You'll be mad. Comme je parle là. While I'm speaking. Comme je parle. While I'm speaking. Les chaînes tombent. Chains are falling. Et tu es délivré. Les liens là. Les liens de la communauté. Les liens là. C'est déjà coupé. C'est ta disponibilité. C'est tout simplement l'atmosphère que tu es en train de créer. Atmosphère qui a déjà fait cela. Cause. Et là où ils sont, commence à se demander. Mais cet homme était dans le garage ici. Cet homme était dans le garage ici. Où est-il? Où est-il? Where is he? Il est déjà sorti. You've left. À cause de la puissance de la grâce. C'est ça le réveil. That's a revival. C'est ça le réveil. That's a revival. Reconnaître la présence de Dieu. Recognize the Lord being there. Où? Where? Dans votre âme. In your soul. C'est toi. It's you qui dois créer la vie. Je te dis, si tu n'as pas la foi, if you don't have the faith, des petites choses, for little things, non, non, pas pour la vie. You won't have faith for the rapture. Comment tu verras que vraiment tu vas te lever? How can you believe you'll rapture? Si tu ne crois pas que Dieu peut te donner l'enfant. You can't believe God can give your child. Si tu ne crois pas que Dieu peut guérir le cancer que tu as. You can see your son. Si tu ne crois pas que Dieu peut te délivrer. Tu ne crois pas que Dieu peut te délivrer. Tu ne crois pas que Dieu peut répondre à l'autre problème de la vie que tu as. Answer the trouble you have in your life. Amen, ma soeur. Il ne sort que selon ta volonté. Non, il est capable. Il ne sort que selon ta volonté. Je vous dis, si vous croyez, if you believe, I tell, vous verrez les antiquités ici. You will see antiquités. Le même ange d'ici. Oui. Parce que c'est la même parole. It's the same word. Il n'y a pas de différence. Le même ange d'ici. The same word. Je vous ai dit, mais regardez pas la personne. Don't look at the person. Mais regardez la parole. Look at the word. La parole ne peut pas venir à toi. The word cannot come to you. Comme ça, non. Just like that. Ça doit prendre un corps. It must take a body. Et ce corps-là. That body. Justement les privilèges, I'm just privileged. C'est vous d'être utilisé. To be used. Mais ce que je vous dis là, ce n'est pas moi. It's not me. Mais c'est plutôt votre Seigneur. It's your Lord. C'est votre Seigneur. It's your Lord. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Alléluia. C'est ça le ministère de l'épouse. That's the mission of the bride. Tu crois, tu as la vie. You believe, you have life. Tu ne crois pas, tu es perdu. Don't believe your Lord. La vie doit être donnée. Life is given to you. Then no more. From one man to another man. La vie éternelle. C'est quoi la compulsion? C'est quoi la l'homme? Croire à l'homme. Croire à l'homme. Et aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, Dieu agit dans l'homme. He's acting in the man. Amen. Dieu agit dans l'homme. God acting in man. Vous croyez, vous le verrez. If you believe, you see. Vous ne croyez pas? You don't believe. Le chien a voir la caravane. The dog barks. C'est vous-même qui allez vous freiner. You will stop yourself. Le temps est là. The time is come. Tu dois saisir l'occasion. You must catch the opportunity. Ce n'est pas pour rien que ce meeting est organisé. It's not for nothing. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. God wants to work in your life. Dieu veut que tu saches qu'il
est vivant. God, you know he's alive. Il veut que tu saches qu'il est capable de te délivrer. Il est capable de te donner tous ces dons. You know what you have been. Tu as pleuré bien longtemps. You've tried for long. Tu as servi Satan bien longtemps. You've suffered for long. Le revenu. Time has come. Quelle est la chose qui va commencer? What did you begin? Pour ne pas terminer. It cannot end. Quelle est cette chose là? What the thing? Qui peut défier Dieu? That can defy. Ça commence, ça n'a pas de fin. It has no end. Non, mon frère. So, ne donnez pas le pouvoir à n'importe quoi. Satan n'a pas le pouvoir. The devil has no power. Il n'en a pas. He has no power. C'est ton père qui a le pouvoir. Your father has. C'est la raison que tu lui parles. Speak to him. Aujourd'hui, je chasse tous ces mauvais esprits. Esprit avec les morts. Those cowards. Those prisoners. Je ne sais pas comment je peux les appeler. Je sais que Philippe me dit que le nom qui est au-dessus de tout nom, avant que le nom de Jésus-Christ. Quel est ce nom-là que tu as placé dans ton cœur? Quel est ce nom-là? Dis-moi. Bouddha. Bouddha. Cancer. Cancer. Mion. Mion. Cancer. Mais c'est quel nom? Dis-moi quel est ce nom que tu peux placer au-dessus de Jésus. Jalousie. Jalousie. Haine. Hatred. Amen. Malédiction. Curse. Tous ces mots-là. All those give one a certain one. Tell me one name. Yeah. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? There's no name. Alors s'il n'y en a pas, if there's no name, cessez d'avoir peur. Stop fearing. Cessez de trembler. Stop shaking. Parce que vous avez Jésus. Because you have Jesus. Alors si vous avez Jésus, you have Jesus. Vous avez tout. You have all. Décidez tout simplement. Decide. Décidez. Decide. Si tu décides, decide. C'est tout. It's over. Tu croises les bras. You fold your hands. J'ai décidé. Decided. Alors j'attends que le Seigneur agisse. Oh, et une chose que je vais vous demander, ask you one thing. Lorsque vous serez en train d'attendre que le Seigneur agisse, when you are waiting for God to ne le limitez pas. Don't limit God. Ne le limitez pas. Don't limit God. Ne dites pas. Don't say God. Ça va me arriver comme ceci. Like je vais sentir un vent maintenant. Non, ça, ça relève de ma compétence. Ça, ce n'est pas ta compétence à toi. Your business. Tu prends ta décision. J'ai fait exactement comme Moïse. Like amen. Amen. Ah, j'ai mis le serpent. He put his rod there. Et Genèse, j'embrasse mais le serpent. Put the rod voilà there. Maintenant. Yes, see. Qu'est-ce que Moïse a fait? What did Moses do? C'est comme ça. Non, est-ce que c'est comme ça? Non. No. Il a dit bon. Moi, j'ai fait mon travail. Don't j'ai fait ma part. Don't my part. Mon frère, c'est très simple. C'est tellement simple que so simple. Ça peut passer la vie. Pas like voilà pourquoi Dieu ne veut même pas qu'il nous. Pour comprendre tout le monde. Parce qu'avec ça, un intellectuel, c'est lui qui a étudié ces choses. Il ne comprendra pas. Pas ça. Non, pas ça. Non. Tu as déjà fait ce que tu devais faire. You've done your part. Tu es arrivé à l'endroit. You've come to the place. Tu as présenté la parole. You gave the word. Et on a défié la parole. Amen. Alors où est ton problème? C'est la parole qui doit se défendre. Aujourd'hui, c'est l'heure. La parole doit se défendre. Alléluia. Aujourd'hui, today, la parole doit se défendre. The word of defending self. Pour que tu prennes la position pour la parole. If you take the right position for the word. Pour que tu prennes la position pour la parole. Stand for the word. Il doit se défendre. To defend itself. Vous êtes enchaîné il y a très longtemps. You have been chained for long. Très longtemps. So, vous n'avez même pas un mot. You don't even vous savez quoi pas dire. No one say. Vous êtes enchaîné par le nid. Il ne veut pas vous voir réussir. Il ne veut pas vous voir prendre même la décision. Il ne veut même pas vous voir avancer. So you go forward. Et il est en train de vous dire, he's telling you, c'est là que je t'envoie que tu iras. Toi, tu n'iras même pas au ciel. You go ahead. Tu sais que tu as été un fétiche. You. Which? Tu sais que tu avais touché le fétiche là-bas. You touch witchcraft. Toi, pour moi, ça ne marche pas. Il faut que tu rejettes toutes ces choses. Mais moi, j'ai déjà rejeté. Non, tu n'as pas bien rejeté. Ça, c'est le péché pardonnable. Ça, c'est le diable. That's the devil. Dieu ne te dira jamais que tu as fait le péché. Est-ce que vous ressuscitez le péché pardonnable? Si tout simplement vous vous laissez décourager par l'ennemi, alors ça vous dit par l'ennemi, je vous donne un secret. I give you a secret. Tu vois notre ennemi, nous tous ici. Our enemy here. Son nom, c'est Satan. His name is Satan. Là aussi, c'est son diable. Mais laissez-moi vous dire, il n'a pas d'armes. Has no weapon. Vous allez me demander mais comment il combat. Ask me, how is he fighting me? Hein? C'est ça la question. There's a question. Il y a une réponse. There's an answer. Il nous combat avec ton arme. He fights you with your own weapon. L'arme que toi tu as là, que Dieu t'a donné. C'est ça qu'il utilise pour te combattre. To fight you. Tu sais ce qu'il va faire? You know what he does? Tu vois ton arme là. You see your weapon? C'est la mal tenu. You know how to hold it. How do you hold it? Tourne-le comme ça. How do you hold it? Tourne-le comme ça. Against you like this.
Il vient comme ça pour réfugier. Il te demande de tourner. Il ask you to turn the weapon. Et te voilà en fait. Oui, il demande de lui tourner. C'est comme ça que l'avait fait avec Eve. Stupide que tu es. You're stupid. Il dit, mais tire la cachette. Touche la cachette. Il dit, quoi? Ça, mais ça va me tuer. You kill me. Non, ça va pas te tuer. D'ailleurs, toi, tu es la force de Dieu. Toi et ton arme, tu es un. Ça ne va pas te tuer. Ils vont kill you. Tu verras. Essaye. Try. Et quand tu essayes, c'est ton propre arme qui te tue. It's your own weapon that kills you. C'est ton propre arme qui te tue. Your weapon kills you. Est-ce que vous avez les yeux pour moi? Can you see that? C'est l'heure de voir ces choses. Satan n'a pas la parole. The devil doesn't have a word. Il n'a pas l'arme. He has no weapon. Il prend seulement la parole pour te combattre. Alors faites attention. Be careful. Qu'il ne puisse pas vous ravir votre arme. So he doesn't take your weapon away. Parce que dès qu'il vous ravit cette arme, takes your weapon. Lui-même va l'emmener. He's gonna hold it. Mais s'il n'arrive pas à le prendre de lui, when he cannot take it from you, tu sais ce qu'il va faire? You know what he does? Hein? Hein? Vous savez ce qu'il va faire? You know what he does? Si tu cherches à prendre l'arme, à prendre la parole, pour te tuer avec, et toi tu ne pas avec ma parole, il va te prendre et toi, et ton arme, il te jette au-delà, il te met là au coin, frère, croyez-moi, c'est la vérité. Et tu seras là, cacheté avec ta vérité. On ne met jamais la vérité dans le cachot. Mais parce que tu n'as pas décidé, et toi, et la vérité, you the truth, tu es là dans le cachot. Attention. Attention avec ce que Dieu t'a donné. Suivez la parole de Dieu. Suivez ce que dit. Follow what he says. Même si cela va à l'encontre de ton désir. Even if it goes against your desire. Dites parce que c'est la parole. Because the word. Je le fais. Et c'est comme ça que Dieu voit le ciel. God will see his own. Dès que tu lèves ta voix, j'ai pris la décision. Lord, I've decided. De faire ta parole. Oui. Mais souvent, but je me sens très faible. Je n'arrive pas à accomplir réellement ce que j'ai fait. I do what I should. J'ai pris la décision, Seigneur. Viens aider cette décision. Viens faire que je puisse avancer avec toi. So I can go forward with you. C'est ton père. It's your father. Si le papa de cet enfant, if the father of that child, lui a dit, toi, c'est ta coupe, même si tu as fait un coup, je vais t'acheter l'autre. Renforcerai notre Dieu. Quand tu reviens pour lui dire, come and tell him, j'ai cassé, Lord, I broke je me suis bien conduit. Misbehaved. J'ai commencé avec une vie de désordre. The j'ai commencé à suivre la vie de débauche. J'ai commencé à marcher selon mon corps. J'ai suivi le chemin des fétiches. Maintenant, Seigneur, je reviens. Je reviens à toi. Lord. Il va te pardonner. He will forgive you. Parce qu'il est miséricordieux. Pourquoi il ne te pardonne pas? Why will he not forgive si lui demande pas pardon? You don't ask him to forgive. Il m'a dit que j'ai demandé. You should have asked. Demander c'est quoi? What does it mean to ask? Tu demandes? If you ask, tu te détournes. You turn. Si mon peuple, if my people, ceux qui ont invoqué mon nom, call upon my name, prie, will humble themselves, et s'écarte de ses mauvaises voies. Moi, Dieu, je ne peux pas. Même si les diables te disent ça, c'est ça qui nous est vraiment chouette. Il dit que ça, c'est tout ce que j'ai. Ça. Il m'a dit que si seulement, moi qui évoque le nom de Jésus, si seulement je prie, if I pray, et je me garde dans ma mauvaise vie, my wicked way, lui m'écoutera. He will hear me. Je vais tuer là. I stand there. Et il le verra. He will do it. Mes frères et sœurs, brothers and sisters, il va le faire. He will do it. Que personne ne vous trompe. Let nobody fool you. Il a fallu un petit enfant. He took a child pour accomplir sa mission. To fulfill his mission. Pour une grande chose. The greatest thing. Et les érudits n'ont pas su. And the cela s'est fait répétitivement avec le Seigneur Jésus-Christ. Happened again with Lord Jesus. Les pharisiens. The Pharisees. Ils prêchaient. Preaching. Que Jésus-Christ sera viendra Jésus. Christ. Oui, ils avaient cette promesse. They had a promise. Que Jésus-Christ entrera dans le temple. And he will come in the temple. Vous avez raison, n'est-ce pas? They were right. C'était la parole. It was a word. C'était une promesse. It was a promise. Mais ils avaient oublié. And they forgot. Il y avait un détail. It was a detail. Que ce n'était pas de cette façon-là qu'il devait entrer. They would have come the way they were thinking. Mais ça devait être vers le temple. Ils avaient oublié le détail. They forgot that detail. Voilà ce qu'ils
a tué. That's what killed. Aujourd'hui tu diras, you said, pray. Si j'étais avec eux, if I was with them, j'aurais reconnu Jésus. I would have recognized Jesus. Aujourd'hui, Jésus-Christ est sur terre. Yeah. Jésus-Christ est sur terre. He's on the earth. Est-ce que tu l'as reconnu? Have you seen? Aujourd'hui tu as l'occasion. You have a chance. C'est aujourd'hui. It's today. C'est Dieu qui t'appelle. God is calling you. Il est là aujourd'hui. He's here today. Tu allais le reconnaître. Mais eux, ils avaient oublié des détails. They forgot to be que oui, il viendrait, le Messie viendrait. The Messiah will come. Mais ça serait dans. But it'll be in. Elle pensait que c'était dans l'église. It's not in the church. Mais il est venu dans. Chez une femme vierge. He came to a virgin. Parce qu'il y avait aussi un détail qui disait. So, une vierge concevra. A virgin shall conceive. Voilà, ils avaient oublié qu'une vierge concevra. A virgin shall conceive. Oh là là. Et quand la Vierge a conçu, puisque elle avait oublié le détail, they forgot that it is passé au-dessus de la tête. Mais c'était un grand événement auquel ils s'attendaient. Et quand l'événement est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Les gens reconnaissent beaucoup ce que Dieu fait, de grandes choses. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur le simple moyen que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses. Le simple moyen qu'il utilise, et ça vous aidera, vous serez des vierges sages. Jésus a vécu une vie. Jesus lived a life. Il a vécu une vie. Allah, il s'est identifié à la parole. Identified to the word. Mais il n'arrivait toujours pas à l'heure. But they did not recognize him still. Le même Jésus. The same Jesus. Lui, le Dieu puissant. The Almighty God. Il a promis la même chose. He promised the same thing. C'est la fin de l'heure. In the end time. Vous savez que le Seigneur t'a passé. You know, heaven and earth shall pass away. Entre vous attendez que ça se passe plus loin. You want it to happen further. Pas quand je suis encore en vie. Not when I'm alive. Ça peut être vrai. It could be true. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'attend. It's not like that that God works. Parce que tu ne sais pas quand le ciel et la terre passera. Because even though heaven and earth shall pass away. La terre sera détruite. Heaven and earth will be destroyed. L'Amérique sera bombardée. This country will be destroyed. Parce qu'il a dit. Because he said. Nous venons de lire, non? We read here. Le jour que le fils de l'homme apparaîtra. When the son of man shall appear. Il en sera de même. Be the same. Comme ça a été au temps de l'Église. On a vu ça, non? Really? Ça sera la même chose. Be the same thing. Comme ça a été le temps de Noé. Like comment ça a été le temps de Noé? How was the time of Noah? Vous êtes prêts? Anyone with me? Nous allons un peu décortiquer comment est-ce que ça a été le temps de Noé. I was in Noah's time. Et à partir de là, there, nous allons ramener ça ici. Pour que vous voyez si réellement nous sommes dans cet endroit. Alors si tes yeux s'ouvrent, if your eyes are open, tu entres dans le sanctuaire. Enter the sanctuary. Tu vas dans le lieu très saint. The Holy Place. Tu vas rencontrer lui-même, la main cachée. The hidden man. Et tu ne vas plus flétrir. And you will not. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? What happened in Noah's time? Lisons. Let's read. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Et dit ceci. Says this. Lorsque les hommes, ils commençaient à se multiplier sur la terre, amen, sur la face de la terre, et que des filles, leur fille née, and it came to pass when the men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Limitons-nous d'abord. Let's just stop there for a minute. Nous sommes au temps de Noé, n'est-ce pas? We're in Noah's time. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier. Voyons un peu notre temps. Let's see our time today. Est-ce que les gens ne se multiplient pas? Are people not multiplying? La population de la Chine qui était ici à 500 millions. China used to be back. Après une année, déjà c'est déjà 1 milliard. Now they're 1 billion. En RDC, c'est 2 millions de gens. 2 million. Maintenant, c'est 80 millions, je pense. It's 18 million. Donc ça ne fait qu'augmenter. So it's just multiplying. C'est un signe. It's a sign. Vous êtes avec moi? Et oui. C'est un signe. It's a sign. Continue. Let's continue. Et ne voyez tout simplement pas les signes physiques. Don't just look at the physical signs. Ce sont des symboles. It's a symbol. Parce que ça a des révélations dans le spirituel. Because it's something in the spirit. Verset 2. Verse 2. Le Fils des dieux vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. That the sons of God saw that the daughters of men that they were fair, and they looked them, they took the wives of all them which they chose. Ici, il s'agit de quoi? What are you talking about? Le Fils des dieux, the sons of God, préféraient prendre le Fils des hommes. The daughters of men.
Ça s'appelle le mélange. Called a mixture. Est-ce que vous êtes avec moi? You with me? Ça, c'est l'hybridation. That is hybridization. Tu prends du sucre, you take sugar, tu mélanges avec le sable. You mix it with the sand. C'est ça, c'est comme ça. That's what it is. Donc c'est une abomination. It's an abomination. Devant Dieu, ça c'est une abomination. Before God, it's an abomination. Ça s'est fait le temps de Noé. It happened in Noah's time. Nous ne voyons pas cela aujourd'hui. You don't see it today? Le mélange. The mixture. Aujourd'hui, sortez. Go outside. Demande à toute personne qui passe. Ask everybody. Tu es chrétien. Any Christian? Peu seulement te diront, je suis athée. Mais ceux qui prient te diront, I'm a believer, I'm a Christian. Some say, ils vont te dire comme ça. It is, they say, I'm a Christian. Donc il n'y a plus moyen de découvrir qui est chrétien et qui n'est pas. No way of knowing who's Christian. Un mélange. The mixture. L'hybridation. Hybridation. Tout est hybride. All is hybrid. Mais on va découvrir qui est vrai, qui est faux. How do you know who's right? C'est comme le vrai et le faux de là. Right? Il y a un signe. There's a sign. Il y a un signe. There's a sign. Qui va montrer que that was ça true. C'est le vrai de là. The genuine. Et ça c'est le faux de là. It's the fake. De même. The same way. Il y a un signe. There's a sign. Il va montrer que ça c'est le faux. Show. It's the pride. Ça c'est un véritable chrétien. It's a real Christian. Et ça c'est un fake. It's a fake. Et ce signe là. And that sign. C'est cette lumière là. Is that light. C'est ce réveil. Is that revival. Ce pouvoir. That power. Qui doit être en toi. Just to be. Tu dois rayonner. Voilà les signes. Le sang de Jésus. Voilà ce que Dieu regarde. Parce que tout le monde est confondu. Because everyone is confused. Les chrétiens sont devenus des païens. Les païens sont devenus des chrétiens. Tu regardes un chrétien qui ressemble à un païen. Christian look like un païen ressemble à un chrétien. They can look like Christian. C'est devenu mélange. It's a mixture. Ça s'est passé le temps de nous. It happened in Noah's time. Et aujourd'hui nous avons ça. Today is the same thing. Est-ce que nous allons maintenant? Are we going? Allons-y. Le mélange. Même dans la parole. Even in the word. Même dans la parole. Even in the word. Il y a des mélanges. There's a mixture. C'est lui qui sort avec sa doctrine. L'autre sort avec sa doctrine. Doctrine. L'autre sort avec sa doctrine. His doctrine. Et finalement, at the end, il se camoufle là-bas. They come at the end. They go to the end. They go to the end. Et tous. All sont des chrétiens. Are Christians. Qui est finalement chrétien? Now who's Christian? Ouvrez vos yeux. Parce que c'est le temps que l'épouse doit se réveiller. Back to the bride to wake up. Ce n'est plus le temps. It's no longer time. De se laisser. To lead c'est le temps d'expérimenter. It's time to experiment. Ah, ce n'est plus le temps de se laisser. It's not time. Mais c'est le temps d'expérimenter. It's time to experiment. Parce que tu attends quelque chose. You're waiting for something. Entre toi et la chose. Between you and that thing. Il y a un mystère. It has a mystery. Il y a un secret. There's a secret. Il y a un détail. There's a detail. C'est que l'épouse a inhéré à accompli. Your work to fulfill. Si tu es véritablement épouse, if you are bride, you need to worry about it. Il faut vous occuper de cela. Ça doit te préoccuper. It has to worry. Ça doit te préoccuper. It must preoccupy you. Donc les yeux ne vont pas se voir à l'allemand. Mais les yeux vont regarder entre toi et la région. Parce que la chose qui va susciter l'allemand. Happens. C'est la chose, c'est le réveil. Donc le Dieu dans ton cœur. In your heart. Voilà ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Que Dieu touche ton cœur. God touch your heart. Que Dieu accepte d'entrer dans ton cœur. God accept to enter. Et lui-même, and he himself te montrera le chemin. Will show you the way. Je ne saurais pas te montrer le chemin. I can't show you the way. Ton pasteur ne saurait même pas te montrer. Pastor can't show you the way. Ton église ne te montrera pas. Your church can't show you the way. Et quand même tu mourras, and when you die, ton église ne sera pas là. Your church ton papa ne sera pas là. Ton pasteur ne sera pas là. Your pastor. Amen. Et c'est ce quelqu'un-là que tu dois avoir aujourd'hui. Parce que si tu le rates aujourd'hui, tu es perdu. La chose que tu tiens aujourd'hui là, ne sera pas avec toi. Et pitié de toi-même. Et pitié de toi-même. L'unique qui peut te conduire, c'est le Saint-Esprit. Parce que si ce n'était pas le Saint-Esprit, Dieu nous l'aurait dit. God would have told us. Il nous l'aurait dit. Parce qu'il a dit, je m'en vais. He said, I'm going. Si je ne m'en vais pas, if I don't le Saint-Esprit est venu. Donc, Holy Ghost will not come. Il a mis l'importance du Saint-Esprit. The importance of the Holy Ghost. Mais aujourd'hui, but today, nous avons mis le Saint-Esprit we have put the de Holy côté. Ghost aside. Mais nous avons placé nos propres and personnes. Our own people. Ah, je ne dis pas qu'il est mon pasteur. Non, non. J'ai une charge là. J'ai quand même une manière de keep me some support. Tu sais que là, et puis, tu vois, quand même, j'ai sur mon oreille. Assis devant là-bas, bon, tu vois ce qu'il va faire. Je sais que c'est la vérité, mais je ne peux pas y aller. Moi, déjà, on me connaît déjà comme ça. Je suis une petite modèle. Quand je marche dans la vie, on sait que non, je suis
recevoir maintenant là-bas. Et vous savez, William, comment ça? Là-bas, il n'y a pas le problème de boy girlfriend. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Mon frère, ma soeur, brother, sister, si tu es encore lié, if you're still back, c'est le moment de prendre la décision. Back, c'est aujourd'hui que tu dois décider. You must decide. Parce que le réveil est ici. Because the revival is here. Saute tout simplement. Come out. Et récupère. Je te dis que le Saint-Esprit est ici. The Holy Ghost is here. C'est une promesse. It's a promise. Il l'a déjà donné. Yes. C'est à toi de le prendre et de le laisser te conduire. En dehors du Saint-Esprit, outside the Holy Ghost, personne ne te conduira au ciel. Nobody can take you to heaven. Est-ce que vous comprenez? Are you hearing me? En dehors du Saint-Esprit, outside the Holy Ghost, attache ceux qui allaient venir à l'égard, vous m'invitez aux avant places, vous allez vous faire les gars à vous faire. La place que je vais mourir, tu vas mourir, c'est la place que je vais mourir. Where I have to die, there you will die. Je te dis que, I tell you, c'est faux. It's faith. Il ne t'amènera nulle part. He will take you no sans le Saint-Esprit. Without the Holy Ghost. Tu es en train de faire une fausse route. You are doing a going on a fake journey. Est-ce que les enfants de Dieu ont entendu? Le temps est venu. The time is coming. Pour toi de voir ces choses. For you to see it. Et prendre des décisions. And decide. C'est ta décision que Dieu veut. Your decision that God wants. Amen. Plus non plus souffrance. Plus de souffrance. Plus de souffrance. No more suffering. Plus de trop raisonner. Ne raisonne pas beaucoup. Not much reason. Ne raisonne plus beaucoup. No reason at all. Rejetez cela. Reject that too long. Lui-même pas. He won't do his job. Ne soyez pas quelqu'un qui... On cherche à l'aider. Don't be somebody that won't know. Non, je suis bien. Je suis bien. No, mais tu souffres. Yes, tu es en train de souffrir. You are suffering. Sois seulement honnête. Just be honest. Il est là, il veut te libérer. They want to free. Il est en train de frapper à la porte. No, laisse-moi entrer là-bas. Let me enter. Non, si je no, le if I let them come in, je risque d'avoir le problème. I may have trouble. Je sais où il est. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? All my kids eat. Laisse le Saint-Esprit s'en occuper. The Holy Ghost will take care. Je n'ai jamais vu un homme. I've never seen a man. Qui a mis sa confiance en Dieu. Put his confidence in God. Et restait misérable. And stay miserable. Jamais. Ever. Il a dit quiconque s'est confié en moi, il est le généreux. Mais il a dit aussi, maudit quiconque s'est confié. Curse me, trust in the man. Si tu te confies à un homme, tu es un homme mort. You are dead man. Oh, j'attends qu'il vienne m'aider. Oh, j'attends qu'il vienne m'aider. You come and help. J'attends qu'il se passe ici. You do this. Il ne fait rien. You do that. Avance. Go forward. Le Dieu qui t'a appelé. The God who called you. Il sera avec toi. You come with him. Il n'a pas besoin de pommes atomiques. Il a besoin de ce que tu as. It is what you have. Qu'est-ce que tu as? What do you have? Présente-lui la foi. Give him faith. Ah, Moïse avait le stick. Moses et c'était avec le stick. Il a dit, qu'est-ce que tu as avec Moïse? Ce qu'il avait à main. What is that? Dieu ne prendra que ce que tu as. Qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui? Prends ce que tu as. Take what you have. Et donne-lui. Give it to God. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta vie. Il va changer ta vie. Change your life. Et tu vas avoir une vision nouvelle. You have a new vision. Tu auras une vision nouvelle. New vision. L'enlèvement y en aura. The rapture will come. Mais entre l'enlèvement et toi. Between the rapture and you. Il y a un jour à traverser. There's a Jordan to cross. Il y a un jour à traverser. Jordan to cross. Le vieil homme doit mourir. The old man must die. L'homme ancien doit mourir. The old man must die. Le corps. His body. Doit être en bas. Has to go et l'esprit doit prendre la place. L'esprit doit take control. Donc l'esprit doit dominer le corps. Quand tu seras dans cet état, when you are in that state, tu seras comme Élisée devant Élie. Like et Élie, Élie te dit là, you, demande ce que tu veux. Ask what you want. Mon cher frère, ma soeur, sister, tu n'auras pas peur de dire je demande la double portion. Non, tu n'auras pas peur. Don't be scared. Élisée n'a pas eu peur de demander la double portion. You're not scared to ask for a double portion. Ah, mais si, mets-toi un peu à la place Élisée. Just qu'est-ce que tu allais dire? Double portion, c'est beaucoup. Combien que je demande de la moitié de sa puissance? Parce que l'esprit d'Élisée n'est pas géré. Les acheteurs. Ça, c'est un esprit que Dieu utilise quand il vient juger. C'est un esprit de défi. Enfin, Élisée. Tellement qu'il avait traversé les choses. Il n'y avait rien qui.
m'empêcher d'avoir la tour. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le message était court.
The message was short. Mais la promesse était grande. But the promise was great. Détruire le monde. Destroy the world. Ce n'est pas une mince affaire. Mais comment cela devrait s'accomplir? But how did it come to pass? Voilà la chose. That's the thing. Une grande promesse. A great promise. Mais l'accomplissement dans la simplicité. The fulfillment in simplicity. Continue. Let's continue. Alors l'Éternel dit, and the Lord said, mon esprit ne reste plus, ne reste plus pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Je suis au verset 4. Verse 3. My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. There were giants in the earth in those days. Après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes, and also after that when the sons of God came on the doors of man, et que les eurent donné des enfants, and they bare children to them, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. The same became mighty men which were of old. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Men of renown, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. And that every imagination of their thoughts of their heart was only evil continually. Ça c'est dans le temps de Noé. That is in the time of Noah. La pensée, la volonté se portait vers le mal. The thought of man was evil continually. Tout vers le mal. Everything evil. Donc quand tu mets quelque chose de bien, when you put something good, personne ne va voir. No. Quand tu es bien habillé, when you're well dressed, personne ne te regarde. They don't look at you. Mais c'est un peu d'enlever tes amis. But just take off your clothes. Tu vas voir combien de likes tu as. And see how many likes you have. Essaye tout simplement. Just take off your clothes. Donc le cœur est tourné vers le mal. So the heart is turned le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Man is turned to evil. Mets-toi là-bas, commence à prêcher. Just go there because personne ne viendra. Nobody will come. Mais mets-toi là-bas, commence à donner les gens le coup. But stand there and begin to punch. Enlève seulement les chemises. Take off your shirt. Fais comme cela. Like this. Et commence à parler des bêtises. So speak nonsense. Tu verras combien de monde tu auras. And see how many people. Donc l'homme aime ce qui est mauvais. So man loves. Le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal. Man's heart is evil. C'est dans cet âge. In this age. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? C'est dans cet âge. In this age. Et Dieu dit. And God said. Cela a été le jour de Noé. Like in the day of Noah. Ça sera de même si on peut le citer that day. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, and the Lord said, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. I will destroy man whom I've created in the face of the earth. Cette promesse, that promise, c'est pour cet âge. It's for this age. C'est pour l'ère dans laquelle nous vivons. It's for the age we're living in. J'exterminerai la terre, l'homme de la terre. I'll destroy man. Le bétail, le reptile et les oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir créés. Et comme Dieu ne fait rien, and because God does nothing, sans avoir révélé, without revealing, son secret, secret, à ses serviteurs, servants, the prophet, Dieu ne peut pas te juger, God cannot judge you, sans t'avoir avisé, without warning, il peut t'avertir d'abord, he warned you first, et si tu écoutes, tu es sauvé, here you are saved, si tu rejettes, if you reject, tu es condamné, you are condemned, Dieu ne fait rien, God does nothing, il ne va pas te punir. Sans avoir avisé. Dieu ne peut pas détruire sans avoir avisé. Il a dit je vais détruire le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? But what did he do? Il a dit, he said, je dois chercher un homme juste. I have to look for just man. Je cherche quelqu'un qui est juste. I have to find a just man. Aujourd'hui Dieu est à la recherche d'un homme juste. God is looking for a just man today. Dieu est à la recherche d'un homme juste. Looking for a just man. À qui il peut envoyer le message? Who he can send his message? C'est ça le réveil. That's the revival. Cet homme-là a dit, il peut se portrait, c'est portrait. Through whom he can portray himself. Il peut se, on dit comment, se projeter. He can project himself. Il cherche un homme. He's looking for a man. Alléluia. Est-ce que tu es cet homme-là? Are you that man? Est-ce que tu es l'homme? Are you that person? Parce qu'il est en train de chercher la personne. Because he's looking. Afin qu'il puisse se manifester. To manifest himself. Il a cherché un homme. He looked for a man. Il en a eu un. And he found a man. C'était Noé. Noé.
Mais Noé n'a pas gardé le message pour lui. Noah did not keep the message to himself. Il a commencé à parler aux gens. He began to speak the message. Et les gens avaient toutes les raisons possibles de refuser le message. People had all the means to refuse the message. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un. Because they had one. La dimension de la boîte de bateau ne pouvait pas convenir tout le monde. Ça, c'est une raison valable. For a good reason. Ça, c'est a good reason. L'homme a toujours good reason. God might always have a good reason. La dimension de la barque ne peut pas convenir tout le monde. The boat cannot convene everybody. Ça, c'est une raison pour lui de ne pas. Is there a reason for you to go? Est-ce que ce n'est pas ça que tu fais aujourd'hui? Is that not what you do today? Si réellement Dieu peut détruire le monde avec l'eau, mais nous avons des gratte-ciels, nous avons des pyramides qui tombent. Alors ils mettent des pyramides. Quand ça va tomber, nous serons au-dessus des pyramides. Avec nos gratte-ciels, on peut mettre beaucoup de gens. Ils seront sauvés là-bas. Parce que si Dieu savait, il allait te dire de construire une meuble. N'est-ce pas? Mais t'as dit de construire le bateau. Et où? À la montagne. Ah non. Une autre bonne raison. Non. Et aujourd'hui, les gens ont toujours des bonnes raisons de rejeter Jésus. Les gens ont toujours des bonnes raisons de rejeter Jésus. Reject Jesus, they have good reasons. Des bonnes raisons. Good reasons. Il suffit on dit, il te dit tu acceptes. He tells you when you accept. Il dit bon, oui, tu as raison. Yes, you are right. Mais la parole de Dieu. But the word of God. Alléluia. La parole de Dieu ne voit pas cette raison-là. Là où la parole de Dieu passe, where the word of God passes, même s'il n'y a pas de passage, si tu ne dis pas, if says go, j'entrerai. Go. Même si c'est dans l'eau, si water, tu ne dis pas, tell me go, vas-y, just go. Même si c'est dans le feu, vas-y, go. Tu ne vas pas brûler. Yeah. Dès que tu as peur d'entrer, tu lâches tout. You ne t'abandonneras pas. Un jour, tu goûteras la montée.
peur du domestique. You're scared of the house worker. Je te dis que tu as peur du domestique. You are scared of the house worker. C'est un épouvantail. It's just a passive. Il ne fera rien. He will do nothing. Il ne fera rien. He will do nothing. Il ne fera rien. He will do nothing. Ton père a besoin de toi. Your father needs you. Je sais que le papa ne savait pas que le fils était malmené. I know that dad didn't know his son would be maltreated. Mais ton père sait. But your father knows. Est-ce que vous êtes là? It would be. Ton père sait. Your father, he knows. C'est pourquoi il t'appelle. So he's calling you now. Il dit, je suis là. He said, I'm here. Viens tout simplement. Come. Donne ton cœur à Christ. Give me your heart. Inclinons la tête. This power is. Si tu as honte de moi aujourd'hui, if you're ashamed of me today, j'aurai aussi honte de toi. I'll be ashamed of you. C'est le moment, it's the moment de venir donner ta vie à Christ. Come to Christ. Si tu sens qu'il s'agit de toi, if you feel this, si tu vois que tu es lié, if you're back, il n'y a pas moyen que tu sois délié. There's no way to be on time. C'est la parole qui doit te délivrer. The word has to deliver. Tu as un problème, you have a problem qui n'a jamais eu de solution. That has not had a solution. Ça peut être un problème de la vie. Life. Ça peut être un problème, un problème sérieux. Ne faites pas comme les jeunes hommes riches. Don't do like the rich young ruler. Quand Jésus lui a dit, va vendre tes biens. Il a dit que ça, ce n'est pas la parole. So that's not the word. Parce que la parole, c'était la parole de Moïse. Because that was the word of Moses. Selon les jeunes hommes riches, rich sa parole, c'était la parole de Moïse. That was Moses' word. Qui disait, which said, ne mens pas, ne vole pas. Tu peux aimer ton prochain comme toi-même, aimer ton Dieu, c'est tout ce qu'il avait. Alors que la vie était là, il n'a pas pu poursuivre le chemin de la vie. Aujourd'hui, tu as la loi de Moïse. Aujourd'hui, tu as l'amour, la voix, la paix, tout le temps. Mais la vie est en train de chercher. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu as été touché par la parole, n'hésite pas, avance. Si tu prends mon côté, je prendrai aussi ton côté. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Ce n'est pas moi qui vous appelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. I need you, so help me, Jesus.
Thank you.
enfants sont rentrés chez leur père pour leur montrer comment est-ce qu'ils sont en train d'être malmenés par les mauvaises vies. Le temps est venu, Seigneur. Le temps est venu, mon Dieu. Tout l'enfant a reconnu. Le temps est venu, Seigneur. Au moment a reconnu que les domestiques n'ont pas de mauvaises vies. Ce n'est pas le moment maintenant. Bougez-vous. Take our responsibility. It's time to go to my talk. It's time to go up and down. Your kingdom come up to you, Lord, your children. Lord, receive them. Oh, Lord. Allonger ta main sur la route. Et touch et lui donner ce que tu as besoin. And give you what
again. Je le fais. I repeat. Si tu sens que tu dois passer devant, if you feel like God, pour que je prie pour toi, and we pray with you, n'hésite pas, viens. Don't hesitate. Mais si tu sens que tu peux rester là-bas, et toucher le roi là où tu es, touch it. Fais-le. Do it. Alors que nous chantons, while we sing. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Lord Almighty, je viens maintenant avec toutes les enfants qui sont malades. Seigneur, toi tu m'as donné une commission. Lord, you gave me a commission. Tu m'avais dit, oh Dieu Tout-Puissant, you told me, oh Lord, tu m'avais dit que je prierais pour les malades. I will pray for et les malades seront guéris. Tu m'avais dit cela, Seigneur. You told me that, oh Lord. Tu avais dit, oh Dieu, you said, oh God, que tu seras avec moi, Jésus. C'est ta parole. That's your word. Maintenant, je viens enseigner. Now I come to this place. Après avoir montré à tes enfants cette having shown your children the word, je leur ai montré, Seigneur, la vérité. I told them the truth. Maintenant, Père, now, Father, descendre et de confirmer. Come down and confirm your word. Mon travail est terminé, Seigneur. My job is over. Je lève ma voix vers toi. I lift my voice. Je te laisse le terrain. And you go. Je te laisse le terrain maintenant. I leave you now the field. Maintenant, touche. Now you touch the sick. Touch the sick. Touche chaque personne qui est malade. Touch those who are sick, Lord. Que les aveugles voient. Let the blind see. Que les estropiés marchent. Let the lame walk. Exécution des maladies incurables. Those who have incurable sickness be healed. Que la maladie du cœur cesse. Heart disease cease. Que l'hypertension quitte. Hypertension go. Que l'hypertension quitte. Hypertension go. Et le diabète quitte. Au nom de Jésus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of Jesus. Et la diabolique quitte. Au nom du Seigneur Jésus Christ. La maladie de nez. The sickness of the stomach. The paralysis. All the paralysis. Je te déloge du corps. You start you with the body. Whatever you want, we try. Oh, find the end of the beat.
Oh,
bless you. Dieu vous bénisse. Please, by God's grace, by la grâce de Dieu, by the mercy of the Almighty God, par la miséricorde de Dieu tout-puissant, God has visited us. Dieu nous a visité in such a mighty way, d'une manière puissante. I believe if you, by faith, je crois que si vous, par la foi, reached up to God tonight, vous avez tendu la main à Dieu, the blessings that you desire, les bénédictions que vous désirez, the healing virtue in your body, la vertu de la guérison, I believe God has granted it to you. Vous l'a accordé ce soir. Amen. Amen. Maybe your cup has been broken. Peut-être votre vase a été brisé. But God has put that cup back together. Je veux rassembler ce vase. And I want you tonight. Je veux que ce soir. To take that cup. Prenez ce vase. And ask the Lord Jesus. Je reviens Jésus Christ. To fill my cup. L'emplis mon vase, Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Fill my cup. L'emplis mon vase, Seigneur. Until it runs off. Jusqu'à ce qu'il déborde. Amen. Oh, you love the Lord Jesus Christ. Je veux Jésus. Amen. Amen. The night has been far spent. Ça a été, been far spent. La nuit est avancée. It's been such a pleasure. Ça a été un plaisir. It's been such an honor. Ça a été un honneur. To be able to be in the meetings this weekend. Dans les réunions cette fin de semaine. With the great revival that God has given the people. De donner son peuple. Amen. Amen. The prophet of God says. What does it mean? What's going to wake the bride? Ce qui va réveiller l'épouse. He talks about those seven unknown thunders. That will wake the bride. Amen. Amen. God bless you tonight. Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir. Amen. Amen. It's no more that I can say. Je ne peux rien dire de plus. The Holy Spirit that had his way. Amen. Amen. If you did not get what you come to receive, it is not God's fault. C'est pas la faute de Dieu. Amen. And as that young man said, comme le jeune homme a dit, when the cup was broken, quand le vase fut brisé, he went to his papa. Il est parti à son papa. And papa said, I bought the cup for you. Père, le vase de le tien. And I will buy you another cup. Je vais t'acheter un autre vase. Amen. Amen. So papa is here tonight. Papa est ici ce soir. And we was able to receive from papa. Nous pouvons recevoir de papa. The blessings of God. Amen. Dieu. Amen. Amen. So God bless you tonight. Je vous bénis ce soir. Amen. Amen. I guess we'll just close the service out. Le service, with a word of prayer. Avec un mot de prière. I believe they have some refreshments there. Amen. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse. Once again, we're grateful for this church. Nous sommes abundant life, family church. L'église de la vie abondante. Once again, the pastor Jerry. Le pasteur Jim. Allow us to come. Amen. Let's just one more time. Just give a hand clap to the pastor of this church. I'm looking for some more meetings in this place. So we'll just pray and see how the Lord will lead. God bless you. I don't know if you have a closing song for us, brother. But I do want to pray. Amen. Amen. Every head bowed. We thank God for Pastor Guy. Amen. And delivered his heart out to us. The precious word of God. We say, God bless you. Amen. Gracious Heavenly Father, we have come to the end of this service. People's bodies are weary and tired. But God, you're the only one that can give us strength. Father, where we're weak, you have made us strong. And I pray tonight that our faith has been made strong. Believe in God. In the infallible word of God that you have given us at this end time. And to hold fast to that. And believe with all our heart. That all things are possible to them that believe. It's in the name of the Lord Jesus Christ. Every soul that came here, every minister that had come here, Father, we pray for them now. We pray that the people will leave victorious, healed, delivered, set free in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we thank you now. But as we may leave this place, we'll never leave your presence. I pray that you will go before us now. God, as you would just give us strength in these bodies, that we will continue to journey in the name of the Lord Jesus Christ. We say,
thank you, Father. Bless your great name tonight. All over this house, let's give God a hand of praise. Amen. God bless you.